Direction la Côte d'Ivoire, Guillaume Soro lance à nouveau un appel important au peuple ivoirien ce jour. Alors pour plus de détails, après le générique. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go! Le leader du mouvement politique Génération et Peuple Solidaire, Soro Kibafore Guillaume, a une nouvelle fois tenu à livrer un grand message au peuple ivoirien en vue de la libération de la Côte d'Ivoire, selon ses dires. Très actif sur les réseaux sociaux, notamment sur le réseau social Twitter, en ce qui concerne l'actualité sociopolitique ivoirienne, l'ancien premier ministre ivoirien Soro Kibafore Guillaume n'hésite pas un seul instant à partager ses opinions et à interagir avec ses compatriotes sur divers sujets liés à la chose politique ivoirienne surtout. Ainsi, dans son constat d'opposant du régime de Ouattara, Soro Kibafore Guillaume entend mettre tout en œuvre pour faire un barrage au troisième mandat présidentiel anticonstitutionnel d'Alassane Ouattara, l'homme fort du parti du Rassemblement pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, selon ses propos. C'est justement dans une telle optique qu'il a une fois de plus tenu à s'exprimer au peuple ivoirien afin d'inciter celui-ci à prendre son destin en main. Chers compatriotes, en vertu du droit inaliénable qu'a chaque peuple de disposer de lui-même, levons-nous et assumons notre destin, certes dans la douleur, mais dans la dignité, ensuite dans la gloire. Nul ne pourra nous imposer un troisième mandat anticonstitutionnel. Tel a été le tweet lâché par l'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne. Un tweet qui aura eu pour mérite de créer une vive agitation des internautes en commentaire. Toutefois, ce message aura-t-il un écho favorable vis-à-vis de la population ivoirienne? L'avenir nous en dira plus.